C'est ma voiture. C'est pas ta voiture. Tu es si possessif. D'accord, c'est notre voiture, mais pas la sienne. Suivons-le. J'espère que les gars de Chan m'attendent à l'embarcadère. Chauffeur, mauvaise nouvelle. Mes gars ne sont pas encore à l'embarcadère. Oui, je vois ça. Ils sont en retard. Et quand je dis en retard... Ils sont encore assis sur leur derrière ici. Oh, ils viennent de partir. Sur qui je vais crier maintenant? Ils seront bientôt là, hein? Je pense, oui. Attention à ce que le buggy lunaire ne soit pas abîmé avant qu'il n'arrive. Bon, je vais aller dans la rue et hurler sur le premier venu. À plus, chauffeur. Ici la sécurité. Retournez tous à la base. C'est pas trop tôt, les gars. On prend le relais maintenant. Pas la peine de nous suivre. Hmm.
McCain, êtes-vous à proximité du centre-ville? Oui, chef. Pourquoi? On vient d'apprendre qu'un gang essaie de kidnapper Forrest Blackwell. Ils le détiennent au sommet d'un building près du musée des sciences dans le centre-ville. Je m'y rends, chef. Est-ce que des renforts ont été envoyés? Oui, mais ils n'y seront jamais à temps. Alors dépêchez-vous! Je n'ai vraiment pas envie de me mettre Forrest Blackwell à dos. Reposant. Quelle belle journée. Génial. Je suis complètement paumé. Désolé, c'est une urgence. Ça va me causer des ennuis. Ah, j'ai besoin d'un change-couleur bleu. Quelle journée. Elle est encore en retard. C'est vrai, j'ai fini.
Génial. Je suis complètement paumé. Contre mon gré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et moi, je t'entends. À part mes kidnappeurs, je veux dire. Arrêtez-le! Dis rien! Mon coude me fait juste un peu mal. Ce chauffeur est sûrement très bon pour avoir réussi à semer les clous. Good.
la tête si je suis encore en retard. T'as vu comment il a fait ça? Dave! Dave! Wow! Regarde! À au vent! Si on était dans un film d'action, quelqu'un atterrirait dessus. Ah! Wow! Ça fait vraiment mal! Ma journée pourrait pas être pire que ça! Le ciel soit loué! Enfin de l'aide! Arrêtez ces hommes! Attrape-le! C'est ça! Donnez-lui une bonne leçon! Époustez-vous un peu et retournez au combat, jeune homme! Oh, ça, c'était un bel aller-retour! Il n'oubliera pas cette mésaventure de sitôt! Merci, jeune homme. Je pensais que c'en était fini de moi. Pas tant que je suis en service, monsieur. On ferait mieux de partir avant que leur renfort n'arrive. Ma voiture devrait encore être dans le coin. Désolé du retard, Chase. Enfin, on dirait que vous n'aviez pas vraiment besoin de nous. Je crois que je me sentirais plus en sécurité au commissariat, jeune homme. Ça ne vous embêterait pas de m'y conduire?
Je tremble encore. Allez-y. Je dirai au chef que vous avez récupéré Monsieur Blackwell et qu'il est sain et sauf. Nous allons rester ici et embarquer les membres du gang. Merci. Je suis vraiment désolé. Je ne vous ai même pas demandé votre nom. Je m'appelle Chase. Chase McCain. On ne s'est jamais rencontré avant. Chase McCain. Eh bien, le monde est vraiment petit. C'est marrant, vous savez. J'ai récemment parlé de vous à une connaissance. À propos du mal que vous vous êtes donné pour arrêter Rex Fury. Et elle ne pense pas que c'est Dunby qui l'a arrêté? Oh non. Certains parmi nous ont une vision bien plus claire des événements. Beaucoup moins biaisée. Il est regrettable que Rex soit de nouveau dehors. Qui sait ce qu'il manigance? Oui. Au fait, qui étaient ces types qui en avaient après vous? Sûrement des activistes écolos. Sans aucun doute. Ils ne m'aiment pas tellement. Et pourquoi ça? Vous n'êtes pas au courant? Je pensais que tout le monde le savait. C'est un déplorable malentendu que j'ai décidé d'oublier maintenant. Tout ce qui compte, c'est que vous soyez sain et sauf. Oui, c'est vrai. Je vais devoir en parler à mes agents de sécurité. C'est joli, par ici. Belle journée pour une balade. Vous avez pris l'itinéraire touristique? Quel monde! Nous y sommes. Oh, Monsieur Blackwell, je suis si soulagé de vous voir sain et sauf. J'en avais du mal à dormir. Merci encore, Chase. Vous dormez pendant vos heures de travail? Oh, eh bien, accompagnez-moi à l'intérieur. Merci. Chase McCain, au revoir. Je suis sûr que nous nous reverrons plus tard. Mais ça rimait.